Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue mais que je fais puisque vous l'avez vu dans le titre. En fait j'ai une annonce à vous faire parce que je vais passer en fait 3 jours à Disneyland Paris avec ma maman. Donc on va pas exactement passer 3 jours complets sur le parc mais je vais vous expliquer justement dans cette vidéo comment ça va se passer un petit peu le programme de ce qu'on va faire. Vous savez, moi, maintenant, moi j'habite en gros près de Nantes et du coup c'est pas à côté de Disneyland Paris, donc c'est un peu compliqué de venir pour très longtemps, faut payer les hôtels et tout ça. Mais on a réussi en fait à trouver un train pour arriver la veille de notre séjour à Disney. Et c'est que c'était un train Ouigo qui coûtait vraiment pas cher du tout. Donc ce qu'on fait en gros c'est qu'on arrive dimanche 21, donc le dimanche qui arrive là, près de Disneyland. Donc on va passer l'après-midi dans un centre commercial qui s'appelle le Val d'Europe, si je dis pas de bêtises, ne m'en voulez pas, les ceux qui connaissent très bien, moi c'est pas du tout mon domaine, je ne connais pas du tout tous les centres commerciaux de France. Donc on va séjourner dans un hôtel au Val d'Europe qui est juste à côté de Disneyland, et du coup vu qu'on arrive vers 16h-17h je crois, quelque chose comme ça, on va passer notre fin d'après-midi au Val d'Europe. Et ensuite, les 2 jours d'après, donc le lundi et le mardi 22 et 23, on sera à Disneyland Paris. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là vous allez vous dire, la fille elle nous raconte sa vie et on en a rien à faire. C'est parce qu'en fait j'ai décidé de rendre mon séjour encore plus cool en vous proposant de me rencontrer. Et bah moi de vous rencontrer, ça me ferait super plaisir. C'est l'occasion, je monte pas souvent sur Paris et je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que tu viens sur Paris, à Disney, voilà, parce que Disney c'est un peu le thème principal de mes vidéos hein, donc forcément je pense qu'il y a moyen qu'on puisse se rencontrer là-bas plus facilement que si je me balade dans mon petit village chez moi. Donc forcément je monte à Disney, c'est une bonne occasion pour vous rencontrer. Mais après je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde de venir jusqu'à Disneyland et surtout de se payer le billet d'entrée au parc qui n'est vraiment pas donné. Donc ce que j'ai pensé c'est que vu qu'on arrive la veille dans l'après-midi avec ma mère et qu'on va au Val d'Europe qui est accessible à tout le monde, je pense que là ce serait assez simple de faire, d'organiser pourquoi pas une rencontre abonnée, mais ce sera un truc en petit comité hein, va pas y avoir 50 000 personnes qui vont venir au meet-up, mais moi ça me ferait plaisir de rencontrer même quelques-uns d'entre vous si des personnes sont disponibles ce dimanche après-midi. Alors par contre, ne connaissant absolument pas le centre commercial, comment il est fait et où les boutiques etc, je peux pas prévoir dès maintenant te dire à tel endroit à telle heure on se rejoint. Ça c'est pas possible pour moi, mais c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'ai besoin de vos avis en commentaire pour me dire quelle heure vous arrangerait le plus, sachant que moi j'arrive dans l'après-midi, et vers où, parce que le centre commercial ça doit être immense. Après, moi je vais regarder vos commentaires et aussi en étant sur place, quand je vais snapper mes journées, voilà, je vais snapper et pourquoi pas vlogger aussi mes journées pour faire une petite vidéo après, mais bon ça sera pour après. Et du coup ce que je vous invite à faire pour les personnes qui sont intéressées pour venir me voir au centre commercial du Val d'Europe, c'est à me suivre sur Snapchat puisque je dirais tout simplement bah voilà, on est arrivé, on vous attend devant telle boutique, je vais rester là tant de temps, enfin je sais pas comment ça va se passer exactement, mais c'est l'idée la plus simple qui m'est venue à l'esprit et je pense qu'il conviendra à tout le monde. Donc mon Snapchat, pour ceux qui se demandent, c'est Petit Quick, exactement comme le nom de ma chaîne YouTube, voilà, Petit Quick partout sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi bien sur Snapchat, je pense que dimanche après-midi ce sera là qu'on pourra se rencontrer et que ce sera le plus simple pour tout le monde. Maintenant, pour ceux qui ont la possibilité de venir à Disneyland, ce sera encore plus cool je pense. Je sais pas encore si j'organiserai vraiment un moment où je me pose à un endroit et où vous pouvez venir me voir. Je sais pas si ça vous intéresse parce qu'en plus je sais que c'est en semaine et que voilà, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir venir à Disneyland un lundi ou un mardi, mais s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous me dites bah oui moi lundi après-midi je serai à Disney en fin d'après-midi après les cours ou l'école ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me le dire et si ça vous intéresserait aussi que je me pose à un endroit pour vous rencontrer. Tout est bon à prendre, hein, même si vous êtes que deux personnes, moi ça me va. Voilà, vraiment, ce sera encore le même système Snapchat où voilà, je vous répondrai un maximum à vos commentaires sous cette vidéo puisque vos avis m'intéressent vraiment. Et la solution aussi que j'ai pensé, pourquoi pas, c'est de faire quelque chose dans le Disney Village qui est là aussi accessible à tout le monde gratuitement. Pourquoi pas se poser au Starbucks ou je ne sais quoi, voilà. Donc donnez-moi vos avis, est-ce que vous préférez le Disney Village, le Val d'Europe pour une rencontre le dimanche. Je pense que ce sera peut-être cette solution qui sera la plus simple puisque c'est un dimanche dans un truc gratuit, enfin bref.
Voilà, tout ça pour dire que je vais passer 3 jours vers Disneyland Paris avec ma maman et que j'ai vraiment trop hâte de partir. Je vous vloguerai, comme je disais tout à l'heure, ma journée. Je me suis acheté un petit appareil pour pouvoir vloguer mes journées beaucoup plus facilement que ce que j'avais à Disney World. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour toutes les personnes qui malheureusement n'habitent pas pour Paris, eh bien, je suis désolée, ça sera pour une prochaine fois qu'on pourra se rencontrer quand je bougerai dans d'autres villes de France. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je compte sur vous pour me dire vos avis dans les commentaires et à la prochaine. Come on.